like to know what you feel as far as the responsibilities of representing mankind on this trip. That's relatively difficult to answer. It's a job that we collectively said that was possible and we could do. And of course, the nation itself is backing us. So we just sincerely hope that we measure up to that. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue pour ce quatrième épisode de Synesthésie, déjà le quatrième, qui marquera le retour de Julien, qui était présent sur le premier épisode. Bonjour Julien. Bonjour. Et toujours présent à côté de moi, à ma gauche, Romain. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, pour la première fois, nous allons parler d'un film documentaire qui est sorti début septembre en France, Apollo 11, film documentaire qui traite de la conquête de la Lune, de la mission spatiale qui est partie sur la Lune. Donc vos attentes, vos envies avant d'aller voir ce film, pour une fois nous ne verrons pas au cinéma, parce que malheureusement il a été très peu distribué et sur une durée très courte. Donc heureusement que j'ai un oncle aux Amériques qui a pu nous envoyer une version du film. Donc Romain, Julien, qui commence? Je t'en prie, Julien Dupuy. Donc, salut à tous, je suis content qu'on soit de retour tous les trois, c'est cool. Donc on se fait un docu, j'en avais entendu vaguement parler à l'époque, en fait. Donc moi ça m'intéresse, hein, de toute façon je kiffe un peu tout ce qui a rapport à l'espace, ce genre de truc, c'est un peu un de mes délires. Apparemment c'est des images d'archives quand même rares, donc il y a eu un gros travail apparemment de restauration et de montage, donc on va voir ce que ça donne. C'est une histoire qu'on connaît tous, mais tant qu'on peut aussi renvoyer à la gueule des conspis de bonnes images qui prouvent que Aldrin et ses compères sont vraiment allés sur la Lune, c'est cool. Donc voilà, puis discuter d'un docu, ce sera un peu une première, je pense, pour tous les trois, donc ça va être marrant aussi, je pense. Voilà, Romain. Moi, ça va être un peu pareil. Enfin, même quand je suis arrivé, je me posais la question de ce que c'était, parce que j'en ai entendu vaguement parler. J'avais entendu parler que ce truc-là était sorti, mais finalement, il avait eu peu de visibilité. Ce qui est un peu dommage aussi, parce que je pense qu'on disait tout à l'heure, ce serait peut-être un truc qui aurait eu un intérêt dû en salle aussi. Pour la magnificence des images et autres, enfin ce que je suppose, ce qui va arriver. Donc voilà, j'ai pas d'attente particulière. Je trouve qu'en effet c'est intéressant de se livrer à l'exercice du commentaire sur un documentaire, parce que jusqu'à maintenant on a fait des longs métrages filmiques, je veux dire, c'est comme ça. Donc voilà, je pense que ça va être une expérience enrichissante et intéressante. Et puis pareil, la thématique me plaît beaucoup aussi. Et tu parlais justement de tout le conspirationniste qu'il y a parfois. Je trouve que c'est aussi important de remettre les choses en perspective, et grâce à ce type de document justement. Ouais. En effet, de renvoyer certaines choses à la gueule des conspirationnistes qui ont tendance à être légèrement emmerdants parfois, donc, et de mauvaise foi. Donc là, c'est bien, ça peut être aussi un élément qui contrecarre la mauvaise foi ambiante du conspirationnisme ambiant. Voilà. Ok, moi je suis abonné à Arte, alors je suis très content de... je regarde tous les documentaires possibles et imaginables, donc je suis très content de voir celui-là. Ensuite, c'est 10 000 heures de pellicules, enfin de vidéos qu'ils ont dû, enfin peut-être pas visionner tout, mais ça paraît insane, et ça paraît énormément de... Enfin je sais pas, je suis impatient de voir comment ils ont pu monter ça, qu'est-ce qu'ils ont pu sélectionner, je crois que ça a duré 3 ans, je crois, le travail pour ce film, c'est quand même assez important. En plus les bobines étaient conservées, comme on lisait, à moins 4 degrés, donc je l'imagine avec ces grosses moufles en train de sortir des bobines, ça me paraît un travail pharaonique, quoi, que j'ai hâte d'admirer, et puis on en reparle après la, entre guillemets, séance. On lance ça. Houston, nous venons d'atterrir après cette projection d'Apollo 11 qui s'est passée sans aucun souci.
Bon, ça va être difficile de faire la filmographie et de parler du réalisateur, sachant que, à moins que je ne me trompe, c'est son premier film. Alors, qui veut commencer? Je prendrai la parole en dernier. Bah, j'ai commencé tout à l'heure, vas-y, Romain. Alors, Romain, après toi. Faut que je dise quoi? Est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que t'en as pensé? Ouais, est-ce que t'as ressenti? Ah, c'est plutôt c'est toi le philosophe, hein, tu devrais savoir argumenter. Oui, il est chaud là. Non, c'est vachement bien, je trouve ça super cool, c'est une belle expérience que j'ai regretté, je pense peut-être pareil pour vous, de ne pas l'avoir vu au ciné, en IMAX, sur un truc qui pète, ça aurait été quand même vachement bien. C'était les premières images, tu te dis, ouais. Merde. C'est frustrant, ouais. C'est très très frustrant. Mais alors, autrement, ouais, c'est même voir la télé, ça fonctionne quand même vachement bien sur un téléviseur de qualité, ça déboîte quand même pas mal. Je trouve qu'il y a un super travail de mise en scène déjà, je trouve que... Alors, qui n'est pas de la vraie mise en scène au sens où c'est pas la mise en scène faite, mais le montage crée de la mise en scène et ça crée une vraie tension. Même ce que je disais tout à l'heure, quand on parlait de spoiler, tu sais comment ça va se terminer, mais sur les séquences, notamment de manœuvres, t'as quand même la tension qui est vachement bien gérée, ne serait-ce que par la multiplication des écrans, ce qui se passe dans la navette, ce qui se passe à Houston, etc. Ça crée une vraie tension. Il y a tout un travail même sur l'image avec le décompte de l'altitude à laquelle se trouve le vaisseau, les alertes, etc. Donc il y a un côté extrêmement ludique en plus dedans qui est vraiment bien, et pour l'immersion c'est top top. Et puis bon, il y a un élément aussi qui est important, je pense, c'est le visuel général des images. La restauration, elle est absolument dingue. Et même dans les toutes premières images qui se passent autour du décollage de la navette, de la fusée, les images sont absolument dingues, on a l'impression que ça a été tourné hier en fait, sauf que il y a juste les vêtements, les mises en plis des personnages que tu vois, des civils qui sont autour, les caméras que tu vois à gauche à droite, tu vois, bon bah ok, ça date, mais visuellement le grain est absolument magnifique, donc il y a un travail de restauration de fou. Et puis il y a un vrai travail de narration en plus sur l'adjonction de ces différents éléments, que comme tu disais, que ce soit des choses amateurs ou des choses qui sont dans le cadre de la NASA, c'est juste ouf. Et puis bon, il y a tout le fond politique en plus qui est vraiment posé en filigrane, qui est vraiment intéressant, qui n'est pas trop insistant, mais qui est là, on parle du Vietnam, ça est là, on parle de voilà, le discours de Nixon, le discours de Kennedy qui est posé à la fin, donc tout est... C'est posé en filigrane, on te l'impose pas de manière brutale, mais c'est tout un... Au-delà de l'aventure Apollo 11, c'est tout un pan d'histoire qui est posé, et je trouve ça assez fou. Et un petit dernier élément que je trouve aussi intéressant, sur le côté balai du cosmos, il y a quelque chose voilà, que tu as dans 2001, effectivement, je pense que le lien est... Toutes les images créent ce côté extrêmement opératique, en fait, que je trouve absolument magnifique, et il y a quelque chose d'extrêmement artistique dans cette surabondance de technologie, et qui pour moi fait effectivement écho à 2001 Odyssée de l'espace, avec tout le fond métaphysique aussi qu'il y a là-dedans, parce qu'il y a un vrai fond métaphysique assez fou sur notre place, de remettre l'humanité et l'homme à sa place dans l'univers, qui est assez dingue. Voilà, je vous en prie. Alors ouais, effectivement, alors je suis assez d'accord, d'ailleurs je vais rebondir directement sur un truc que tu as dit, c'est cette qualité d'image, et comme tu l'as exprimé, qu'on a l'impression que ça a été filmé... hier, donc pour revenir à l'intro du début, finalement ça va peut-être donner du grain à moudre au conspi, parce que c'est vrai que c'est assez fou la qualité vraiment de l'image, quoi. Et donc je pense que les conspis vont se faire un malin plaisir de dire que tout ça a été recréé avec des super... Alors c'est ouais, du taf, hein, c'est de la grosse production, je veux dire, au niveau figurant, ouais, maquillage, mais... accessoires et tout, bon, faut être balèze. Ouais, mais en même temps, là, tu vois le nombre de personnes impliquées. C'est ce que tu disais, toi. Et tu sais bien que ça n'arrête pas les... Oui. Ça arrête pas les mecs, et effectivement, tu sais, le deepfake et tout, ils vont dire que ça a été fait, enfin voilà. Donc ça, cette parenthèse-là est fermée, et puis d'ailleurs, tu disais 2001, Kubrick. Oui, voilà, ça, voilà. Bon, on y revient, c'est à se demander d'ailleurs si, je sais pas, parce qu'on sait que Kubrick a quand même... collaboré, donc là c'est pas du tout conspi, hein, c'est qu'il a collaboré avec la NASA pour faire des films, je sais pas trop quoi d'ailleurs, ça se demandait s'il a pas vu lui déjà à l'époque les bandes en fait, ou certaines d'entre elles en tout cas, parce qu'effectivement je sais pas comment il s'est documenté Kubrick, là je suis pas assez connaisseur sur 2001 tout ça, mais il serait pas étonnant qu'il ait eu accès sûrement à des bandes, à des vidéos, parce que c'est vrai que c'est troublant des fois le... Je sais pas, ouais, comme tu disais, ce truc du balai, il a jamais été dans l'espace Kubrick, il n'avait jamais eu d'image avant, en fait. Donc soit ce dont je doute pas, soit il a tout imaginé, c'est sorti de sa tête vraiment comme ça, soit peut-être qu'il a vu, voilà.
Et alors, sorti de ça, ouais, c'est vrai que on est vite pris dedans. À un moment, je me suis dit, bon, on a souvent vu des images quand même, enfin, c'est quelque chose qu'on connaît par cœur quand même, Apollo 11 et tout. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que, enfin, moi j'ai halluciné sur plein de trucs. Déjà sur la qualité de cadrage des mecs qui faisaient le. Alors, je sais pas si c'était les gars de la NASA, si c'était des militaires, si c'était. Enfin, je sais pas qui c'était, parce qu'ils ont des très bons cinéastes dans l'armée américaine, on le sait. Il y a même des gens célèbres qui ont filmé la guerre de 39-45 et tout. Et en fait, il y a vraiment, il y a notamment au tout début, une espèce de travelling sur les machines. Donc c'est les ordinateurs à bande. Et ça s'enchaîne comme ça, et c'est hyper bien fait, qui viennent après sur les postes et tout. Et ça dure assez longtemps, ça donne vraiment la taille d'un ordinateur qui a la puissance de calcul d'une calculette. Enfin, même pas d'aujourd'hui, d'une calculette d'il y a 20 ans. Et c'est hallucinant, et ça m'a fait tilter sur un truc, c'est que. Donc en 69, à cette époque-là, tout est géré par l'humain, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un mec derrière chaque bout d'ordinateur, derrière chaque truc de contrôle et tout. Et quand on connaît la faiblesse finalement de l'humain sur certains trucs, tu te dis que c'est assez impressionnant qu'un truc comme ça arrive à se dérouler bien. Parce que maintenant, y a des IA qui se trompent quasiment jamais. Et là, tu te dis, quand tu vois tous ces gens qui bossent derrière ces trucs et tout, tu te dis, putain, il suffit qu'il y en ait un ou deux, peut-être, qui se trompent de bouton, ou qui tournent la tête 30 secondes et qui sortent un peu du truc, et tout part en couille. Une petite erreur de calcul. Et on voit vachement, enfin, je trouve qu'on voit vachement ça, et je veux pas rentrer dans le... C'est vrai que tu l'as déjà dit, de toute façon, je suis d'accord avec toi sur tout ce qui est esthétique et tout, enfin, c'est vraiment très bien fait. La musique est très importante aussi, elle est... un peu planante, je sais pas qui l'a fait d'ailleurs, ce serait intéressant, j'ai pas le temps d'aller regarder, mais c'est étrange comme musique, c'est un peu science-fiction, enfin je sais pas comment dire ça, mais sans c'est très loin de la musique au mètre qu'on a l'habitude d'entendre dans ce genre de documentaire sur l'espace en règle générale. Et tout ça pour dire que ouais, j'ai été surpris aussi, parce que ça c'est peut-être des images qu'on voit moins souvent, donc les gens qui sont restés sur Terre, c'est le flegme des mecs, quoi. C'est-à-dire que quand les gars atterrissent à l'UNIS, plutôt, il y en a un ou deux qui éructent un peu de joie, il y en a un qui va pour se lever, et l'un des chefs de Capcom, là, il lui fait comme ça, il lui fait un geste, genre, non, tu rassieds-toi, tu vois, et on n'est pas à la foire, on n'est pas au stade, quoi. Il y a d'autres trucs à gérer, quoi. Ouais, c'est ça, et t'hallucines sur le... parce que c'est quand même ouf, quoi, les mecs qui viennent de faire un truc de taré, tu sais. Et putain, tu les vois, ils sont... bouge pas, quoi. Et là, tu te rends compte aussi de l'implication et de l'investissement que ça devait demander, pas seulement aux cosmonautes qui étaient dans la fusée, aussi aux mecs qui restaient sur Terre, quoi. Et tout ça est monté avec d'une manière qui, justement, comme tu le disais, fait monter le décollage. C'est assez ouf comment ça monte en pression. Il y a un ralenti. Ralenti. Enfin, pour moi, alors, je sais pas si c'est ralenti. J'ai l'impression aussi. Il y a un ralenti sur le décollage. Mais... esthétiquement, c'est magnifique. Parce que tu vois les particules et tout. Donc, Alors, est-ce que c'est. Ouais, je sais. Mais là, justement, ça c'est pareil. Ça, c'est des trucs, toi, qui seraient peut-être intéressants à étudier. C'est... qu'est-ce qu'ils ont. Ou magnifié. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qui a été retouché. Parce que forcément, il y a eu de la retouche. Tu sais, je pense à des moments. Tu sais, où. Alors, je sais pas trop comment on appelle ça en langage cinéma, mais tu sais, où. Les mots, je perds mes mots, mais tu sais, où c'est net devant et un peu flou derrière, tu vois, les contrefocales ou un truc. Oui, voilà, je sais. Et est-ce que ça c'est d'origine? Est-ce que c'est retravaillé derrière notamment au début, tu sais, souvent quand il y a la foule, tu vois des gens un peu en premier plan très net et tu vois un peu des flous derrière. Est-ce que c'est filmé d'origine comme ça, ce qui est quand même assez balèze d'un point de vue prise d'image? Ou est-ce qu'il y a des retouches, toi? Est-ce qu'il y a des ralentis? Ça serait intéressant de décortiquer ça ou d'avoir le même au niveau des plans, qu'est-ce qui est pas du tout du tout, ce qui trompe pas du tout le truc, hein, c'est vraiment c'est esthétique, mais j'aimerais bien savoir ça, parce que encore une fois, j'ai été impressionné par la qualité de pas mal de cadrage, de plans, de, je suppose qu'ils ont plus fait des ouais, ce que tu disais, des heures et des heures de rush, quoi, mais ouais, donc bonne. Et puis c'est à moitié hypnotique, il y a un côté les mecs ils parlent avec des trucs. Je comprends rien à ce qui se raconte à base de EPPD, CIO, machin truc. Ouais. Mais tu te fais jamais chier. Mais tu te fais pas chier, tu comprends rien à ce qu'ils disent. Mais il y a un truc un peu ASMR, tu vois, dans le. Parce qu'en plus, ils sont un peu monocordes, ils se font des blagues, mais sur un ton neutre quasiment, et du coup, c'est
c'est hyper drôle parce que tu te dis, attends, les mecs, ils sont je sais pas combien de kilomètres de la Terre et ils se font des blagues, quoi. Et voilà, donc ouais très assez impressionnant au niveau de la qualité. Okay. Matt, je... Alors, moi, contrairement à Julien, j'ai pas vécu les années 60. Du coup, de passer 8 jours comme ça grâce à ce documentaire dans les années 60, c'était une découverte fantastique, c'était ouf. Et moi, comme tu disais, j'ai été captivé, mais genre, comme on en parlait à la fin, on parlait des spoilers, de spoiler un film, en fait, c'est ridicule. Enfin, là, Apollo 11, on connaît la fin, on sait comment ça se passe, mais il y a tellement de moments où j'ai... Enfin, après, moi, je suis peut-être un peu trop sensible, mais en tout cas, j'étais accroché à mon siège, quoi. Le décollage, c'est ouf. Juste avant le décollage, il y a une fuite. Les mecs, sont en train de réparer une fuite. Il y a trois mecs qui sont en train de bidouiller un tuyau et tout. Et putain, moi, j'étais... Mais moi, j'y vais jamais. Jamais de la vie. Et alors, tu parlais du flingue, mais des mecs qui sont sur Terre. Mais alors, les mecs qui sont dans le vaisseau, ouais, mecs, ils arrêtent pas de faire des blagues. Ils sont, ouais, tout va bien. Enfin, genre, mais moi, je me chiais de fou. C'est ça qu'il y a une alarme au moment où c'est fou. L'alarme 14-02. Au moment de l'alunissage, ils sont alarme 12-02. Puis t'as les mecs à terre, ils font « Oh non, t'inquiète, c'est rien. Oh, ça vient de s'arrêter, tout va bien. » J'étais « Mais non, c'est nouveau, je serais dedans, mais je serais blessé pas rien sûr. Du tout. Ça va pas, vous êtes malade. » C'est vrai qu'ils sont pas malades. Ah non, les mecs, ils font que des petites blagues comme ça. Alors ça, c'est peut-être aussi pour les conspires. Moi, je serais conspire, c'est un lourd. Ouais, les mecs, ils sont trop détendus. C'est pas une blague, en plus. C'est pas possible, les mecs. Ils ont aucune assurance parce que ça s'est monté quand même relativement rapidement, ouais, ces missions-là. Ouais. Tu te dis, et quand tu dis le facteur, tout se fait à la main. Enfin, c'est artisanal, c'est ouais, ouf. C'était il y a 50 ans. Mm-hmm. Tu te dis, c'était il y a 50 ans. Mm-hmm. Les mecs, ils sont à des milliers de kilomètres de la Terre et ils se font guider à 10 000 kilomètres. Enfin, c'est fou. Moi, j'étais. Mm-hmm. Et alors. Parce que moi, quand on me parlait, ouais, l'homme a marché sur la lune, voilà, autant pour ça à l'école. Mm. Mais là, ça a pris une dimension pour moi. J'avais pas cette dimension. Enfin, là, je l'ai. Sauf qu'il y a plein de détails qu'on connaît pas forcément sur les différentes déstructurations du vaisseau. Alors, cette façon de. Alors, c'est aussi un extraordinaire événement de propagande américaine. Les mecs, ils ont mis des caméras partout. Ils ont mis des caméras partout. Au moment, il y a un réservoir qui se décroche, il y a une caméra dans le réservoir. Alors, ça fait un plan de ouf, c'est magnifique, mais fallait penser à ça. Ça a été gardé depuis, ouais. Hein, parce qu'il y a toujours ce plan-là. Ah, ouais. D'ailleurs, dès que tu vois un satellite ou quoi que ce soit, ils ont gardé ça. T'as toujours ce plan du module qui se détache. C'est fou. Et... qui est typiquement un plan de Méliès. C'est pas moi, oui, c'est ça, c'est moi, typiquement ça. Oui, ouais. D'ailleurs. Ah ouais, non, c'était dingue. Moi, j'ai passé un moment fou, et comme tu dis, je crois que c'est au moment de l'alunissage, t'as un battement de cœur et tout. Moi, j'étais à fond. Oui, ils disent que c'est quoi, c'est Aldrin ou Armstrong qui passe de 100 battements à 150 ouais, de 90, il a 90 minutes, 100 quoi. Normal et il passe à 156 d'un coup. Truc comme ça, ouais. Et une fois qu'il descend sur la lune, il redescend à 90. Mais ouais. Tu te dis, mais moi, je marche sur la lune, je suis à 90. Mais il est malade, ce mec, moi, je suis à 200. Ah oui, c'est là, ouais. Et puis, c'est quand même un moment, c'est historique. Les mecs, ils font leurs expériences. Ils vont passer 2 jours sur la Lune, enfin, ou 48 heures. Ouais, un truc comme ça. Ils dorment sur place, comme tu disais. T'as l'autre qui reste en orbite tout seul dans sa navette. Collins, on va rappeler son nom parce que Collins, c'est vrai que. Qui reste dans sa navette tout seul pendant que les autres sont en bas, le mec est tout seul. T'as toute une partie, t'as tout un moment quand ils sont sur la face cachée de la Lune. Les communications se coupent. Le mec, il reste je sais pas combien de temps, il se dit. Psychologiquement, le mec il se dit ça se trouve là s'il y a une merde personne saura me retrouvera mais moi j'ai vécu ça, j'étais à leur place quoi, c'était à la fois c'est fascinant mais c'est horrible et tu te dis punaise comment ils ont fait pour et le film retranscrit ça super bien quoi, c'est fou. La tension aussi comme tu disais dans les postes de commande et tout tu vis le truc, c'est hyper émouvant, il y a un côté hyper émouvant, hyper touchant quoi. Tu sens bien le truc collectif, ça manque un peu de femmes, après c'est les années 60, au tout début je me suis dit ah ouais en fait j'avais Pourtant, un peu avait... des préjugés, t'en vois une, et puis en fait t'en vois plus une seule après. Après je suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux maintenant. Il y a déjà des femmes qui vont dans l'espace déjà. On va parler des années 60. Oui, c'est sûr. Et déjà ça va. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai que c'était très. Mais c'était assez fou. Et ce moment où quand ils reviennent de la Lune et qu'ils doivent connecter les deux trucs et tout, je me suis mis à la place de Collins. Je me suis dit, la responsabilité du mec. Tu te foires. Moi, franchement, et qu'est-ce qu'il dit que le mec, il va pas se dire,
Oh non, là je le sens pas, là, les gars, je peux pas le faire. J'y arriverai pas. C'est possible que ça arrive. Même le mec qui est entraîné du monde, c'est possible que ça arrive. Psychologiquement, il peut lâcher un moment. Et tu dis en fait, mais c'est là que tu te rends compte. En fait, moi j'ai ressenti à chaque fois, ça peut merder pour rien. C'est un fil de foiré, quoi, tout. Et en même temps, tu dis les calculs qui ont dû être faits. Mais je crois qu'ils ont ça se voit avec le nombre de mecs d'ingénieurs. T'as 500 ingénieurs qui sont alignés comme ça les uns à côté des autres, avec tout. Ils ont chacun une mission de deux petits trucs, mais alors tout est. Ils ont raconté qu'ils avaient eu un peu de chance aussi, hein, parce que tu sais, à un moment, ils parlent des radiations. Ils savaient pas tous ces trucs-là. Tu vois, ils savaient pas trop ce qui allait se passer. Tu vois, ils parlent au moment que le sol est hyper poussiéreux et tout. Tu vois, c'est des trucs, ce genre de trucs. J'avais entendu des interviews, enfin, où ils expliquaient que effectivement, par exemple, cette poussière de lune là, ils savaient pas. En fait, il y en avait qui étaient rentrés un peu dans les, ils sont pas restés assez longtemps pour que ça pourrisse le module, si tu veux, mais que ça s'infiltrait partout en fait. Et ce genre de détails, tu vois, auxquels ils n'avaient pas pensé. Donc ils ont eu de la chance, ils savent qu'ils ont eu de la chance aussi, quoi. Ouais. Parce qu'il aurait suffi d'une tempête solaire ou d'un truc comme ça qu'ils n'avaient pas prévu, et les mecs, c'était fini, quoi. Y compris sur les radiations. Pendant le voyage, ils auraient pu se faire bombarder de. Oui, mais sur la radiation, tu vois, heureusement pour eux, parce qu'ils savaient déjà que ça existait, mais c'est pas prévisible vraiment, quoi. Donc il y a tout un facteur chance en plus, comme tu dis, qui rentre là-dedans, qui est assez taré, quoi. D'ailleurs, ils le disent un peu, parce que quand ils allunissent, au départ, ils sont au-dessus d'un cratère et tout, et le mec il explique, ouais, bon, on a mis un peu plus de temps, parce que vu que on était sur un gros cratère quand même, en gros, il t'explique que genre, ils pouvaient pas se poser parce que c'était en biais, quoi, et donc du coup, ils sont allés un peu plus loin pour se poser sur un truc plat, quoi. Ouais, mais les mecs, ils sont relax, quoi, ouais. Smooth. Oui, l'entraînement des gars, c'est assez taré. Le mot smooth, il apparaît plusieurs fois d'ailleurs. Smooth landing, smooth quand il décolle aussi, smooth. Mais je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Thomas Pesquet, parce qu'on l'a beaucoup vu. Et quand le mec il parle, moi j'adore d'entendre parler ce mec, parce que quand il t'explique l'entraînement qu'ils font et tout, les mecs c'est 10 années de travail. D'ailleurs à cette époque là, eux ils avaient pas eu 10 ans, hein, je sais pas combien de temps. Non, mais c'est beaucoup plus court. C'était 8 ans je crois après le discours de Kennedy, mais ça veut dire qu'eux ils sont entraînés pendant quoi, 5 ans, tu vois, un truc comme ça. Thomas Pesquet, les mecs, Thomas Pesquet, c'est zéro à côté de ce qu'ils ont fait. Je parle du taf des gars. Thomas, il a plus de filet derrière. Moi j'ai vu des trucs où tu le vois comment il répète tous les mouvements. Ouais, mais tu sais, mais les mecs, ils connaissent par cœur, c'est des automatismes. Il expliquait quand il est sorti, lui, il est sorti, en truc extravéhiculaire. Pour faire des trucs, pour réparer des trucs sur la station internationale, le gars il t'explique, tu tournes à je sais plus combien de kilomètres heure autour du machin, ouais. T'as pas le temps, si tu regardes vite fait dehors, parce que ouais, c'est cool, t'es obligé si tu veux, mais vite direct tu refocuses sur ce que t'as à faire, et ton cerveau il marche en mode machine, quoi. Thomas Pesquet, c'est un ingénieur qui est formaté pour ça depuis 20 ans, les mecs, attends. Buzz Aldrin et machin, c'était des pilotes d'avion. Ouais, c'était des pilotes de ligne. Non, pas de ligne, t'es fou. Non, pas de ligne. Ils avaient fait la guerre avec des pilotes de FDF-86. Ah oui, non, c'était un peu détaillé quand même. Ils montaient déjà dans des trucs qu'ils savaient pas s'ils allaient pas péter en l'air. C'est sûr. Mais oui, non, mais c'est... Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs ? C'est vachement bien. C'est vachement bien, ouais. C'est compliqué de faire un podcast cinéma sur un docu, parce que je pense que nous tous les trois... Non, c'est bien, mais... Enfin, moi, j'ai pas le background en plus... ni scientifique, ni... moi, j'aime bien les docus, c'est vrai. Hein. J'aime bien regarder... Et des docus de cinéma comme ça, j'en ai pas vu énormément. Et faut dire que celui-là est particulièrement. Et c'est un petit scandale qu'il ait pas et qu'il était aussi mal distribué. Ouais. Alors j'espère que c'est un truc qui sera montré dans les écoles et tout. C'est ce que je vais te dire. Ouais. J'espère que c'est un truc qui aura une vie en scolaire après derrière et tout. C'est vrai que même moi, on me dit, ouais, comme tu disais, hein, on parle un peu on parle plus des implications politiques de la guerre froide et tout, et on parle quand même des mecs qui ont marché sur la lune et tout, voilà machin. Mais de voir ça, ça remet, et surtout maintenant, je pense, ça remet une période, c'est vrai, où la technologie était quand même. Par rapport à ce qu'on connaît maintenant, je veux dire, la technologie, c'était balbutiant, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Tu dis, j'ai lu, juste parce que je regardais un peu quand même avant qu'on regarde le film, j'ai lu quelque part que donc l'article devait dater des années 90, un truc comme ça, que vraiment, les ordinateurs, la puissance de calcul qu'ils avaient à ce moment-là, c'était la puissance d'une Texas Instruments des années 90, quoi. Ouais. C'est taré. Tu dis, c'est ouf, quoi. Mais c'est ce qui d'ailleurs alimente beaucoup les discours des complotistes, en disant voilà comment on aurait pu faire ça, alors que même maintenant on n'est pas capable de le reproduire à propos pas. Ce qui est une absurdité. Ce qui est une absurdité. Mais parce que quand tu vois le monde qui est impliqué derrière. Voilà, c'est ça aussi.
Et le, en plus, Doc, c'est un truc intéressant, surtout en étant hyper rigoureux et technique, il arrive à être moins chiant que le film de Ron Howard, quand même, de très très loin. Ouais. Alors que le film de Ron Howard, tu les entends parler continuellement de trucs techniques, et au bout d'un moment, tu t'en branles parce que tu ne comprends strictement rien à ce qu'il raconte. Vrai, oublié, et là, tu comprends pas ce qui, tu comprends pas tout ce qui se passe, mais c'est pas grave. La, le fait déjà de jouer sur le fait que c'est la réalité, que t'es à l'intérieur du truc, c'est pas grave, tu prends le truc tel qu'il est. Là où en essayant de faire du métalangage dessus à chez Renoir, bah c'est ultra chiant et inintéressant. Et pour le coup, à fond dans la propagande. Et très propagande, voilà. Alors que là, il n'y a pas de propagande en fait. Je veux dire, parce que même eux, y a, alors je veux quand même citer ce moment qui est, que j'ai beaucoup aimé. C'est que, alors déjà, il y a quand Nixon dit, ouais, et qui dit, alors que, comment il dit ça parce qu'il dit oui, vous êtes sur la, sur la mer de la tranquillité. Sur la mer de la tranquillité, ce serait bien que sur Terre et tout. En gros, il dit en gros que ce serait bien que la Terre devienne la mer de la tranquillité. Et là, tu te dis, c'est chelou parce que vu à quoi ça ressemble la mer de la tranquillité, ouais, c'est-à-dire que la, tu veux que la Terre devienne un dessert rocailleux. Ouais, non, non, mais je pense qu'il. Moi, je l'ai pris comme ça, tu vois. Paix, mais bon, oui, mais c'est mal dit, c'est mal fait, tu vois. Et c'est marrant parce que derrière, donc il dit, il sort un truc comme ça, et en fait derrière un des. Oui, il y en a qui répond pour les Américains. Ah oui, il y a différence. Voilà. Cosmonaute, c'est les Français. Taïkonaute, c'est les Japonais. Non, les Russes. Cosmonaute, c'est les Russes. Sinon, c'est Taïkonaute. Non, Taïkonaute, c'est les Chinois, c'est les Chinois, Chinois ou les Japonais, ouais. Chinois. Et enfin bref, voilà, je joue sur les mots, mais bon. Et l'astronaute, c'est les Américains en tout cas. Et juste, il, alors je sais pas comment dire ça, mais il reprend le truc en parlant d'abord du peuple de la Terre. Quoi. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un message de paix parce que. Nixon est quand même un peu sur le... Il est ambigu, si c'est très ambigu. Entier, que, ouais. C'est les Américains quand même. Alors je sais plus si c'est Aldrin ou Collins ou... Il replace ou l'humanité Armstrong, au centre. Et plutôt, ouais, lui, il repart direct sur... c'est pour l'humanité, machin. Et après, il parle un peu des Américains, mais... Tout à fait, oui. Il reglobalise le truc et tu sens que ces mecs-là, ils ont une vraie... ils ont, alors je sais pas s'ils l'avaient avant, mais je pense que... Ils le, de toute façon, ils le disaient Armstrong et Aldrin dans les interviews aussi après, c'est qu'ils ont, ils ont repris une vraie conscience de... De l'humanité quoi. Mm. De fait de voir la Terre de, parce que c'est les premiers aussi à avoir fait ça parce qu'on parle de marcher sur la Lune mais aussi c'est les premiers à avoir vu la Terre d'aussi loin ouais. Même si Gagarine il était pas aussi loin quoi, je veux dire d'avoir vraiment eu la perspective totale et globale de la planète perdue dans le dans le vide et je pense que ça dans ta tête c'est sûr qu'il y a une vraie dimension métaphysique aussi dans le documentaire carrément, pour carrément. Bon, j'ai un peu pété des plombs après mais... messieurs. Est-ce que vous avez des recommandations suite à ce documentaire ? En Romain. Oui, moi j'en ai une. Quand on parle de films qui se passent dans l'espace, bon, je vais sortir de documentaire, mais rester dans le faux documentaire. Un film qui s'appelle Europa Report, oui. De Sébastien Cordero, je crois, et qui est un found footage dans l'espace, dans une navette, avec une mission. C'est hyper rigoureux, c'est pareil, c'est très très scientifique. Et ça part un chouïa dans le fantastique sur la fin quand même et c'est assez génial je trouve que c'est hyper minimaliste c'est, moi ça me fait beaucoup penser, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser dans ce doc en fait en me disant voilà, ça m'a permis de remettre en perspective ce film que j'ai revu il y a quelques jours et de me dire bah ouais c'est quand même quelque chose d'extrêmement réaliste et je trouve que ça fonctionne d'autant plus, ça redonne de la force à Europa Report de voir ça en me disant voilà tout ça finalement le minimalisme de la posture des caméras, le fait qu'il y a très peu de mise en scène mais que la mise en scène soit plutôt instigé par le montage plutôt que par la mise en scène elle-même, tout ça, ça le rend extrêmement cohérent. Voilà, c'est très simple, c'est anti-spectaculaire au possible, mais c'est ce qui, parce qu'il est anti-spectaculaire qu'il en devient extrêmement spectaculaire. Et je pense au passage, on parlait tout à l'heure, si aussi, revoir aussi, au-delà de Europa Report, revoir Méliès, pour le coup, parce que je m'y suis replongé récemment, dans la préparation d'un cours. Donc Méliès aussi, et surtout Le Voyage dans la Lune, que je trouve, et ce plan justement dans le du réservoir. Qui me fait énormément penser à la manière, ce plan, ce faux travelling qu'il y a au tout début de Voyage dans la Lune, où on s'approche progressivement de la Lune, que je trouve vachement intéressant et qui, moi, fait référence, fait écho là-dedans. Et pour aussi l'idée du faux du documentaire avec le montage qui fait foi de mise en scène, je vous conseille aussi un film qui n'a rien à voir avec l'espace, mais qui est The Bay, de Barry Levinson, qui est un vieux de la vieille, et qui est un faux docu qui ne parle pas d'espace, mais de monstres dans un lac. Mais qui est tourné simplement avec plein de caméras amateurs mixées avec des caméras professionnelles, etc. Bon, bien sûr, tout ça est faux, mais qui arrive à être assez terrifiant juste en jouant sur aussi l'anti-spectaculaire pour créer du spectaculaire. Donc, voilà ces trois. Puis Barry Levinson, voilà, c'est un vieux de la vieille, c'est et c'est intéressant de le voir œuvrer dans le fantastique et dans l'horreur, mais en lui posant une assise très 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 forte en fait, sur quelque chose de concret et de vrai. Voilà. Europa Report, je l'ai oublié, il est marrant, c'est un petit film, j'étais tombé dessus, qui est sympathique. On n'est pas dans du
c'est sympathique. Moi j'ai deux trucs que j'ai bien aimé à conseiller pour rester dans le thème de l'espace et du documentaire. Alors il y a un premier truc, je crois que ça s'appelle Mars tout court. C'est une série de je sais plus combien d'épisodes et c'est assez marrant parce que c'est du comment on appelle ça, c'est du docu mêlé à de la fiction. Du docu-fiction. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est plutôt bien fait parce que du coup, ils imaginent ce que pourrait être une mission pour aller sur Mars. Et c'est entrecoupé de témoignages de scientifiques, d'astrophysiciens, enfin tout ça. Et c'est plutôt cool. Je crois que c'est une production HBO, je crois, je sais plus, mais c'est assez sympa. Et un autre truc qu'il faut regarder si vous ne l'avez jamais fait, ça passe sur Arte en ce moment, c'est Cosmos, avec Neil deGrasse, je crois tout court peut-être. Qui est la reprise d'une série de documentaires qui avait été initiée par Carl Sagan. Et c'est hyper bien, quoi. Voilà, ça parle de l'espace, c'est hyper pédagogique, enfin, c'est super bien fait. Il se met en scène lui-même dans une espèce de vaisseau où il se balade. Et voilà, c'est super intéressant si vous kiffez un peu les docus sur l'espace. Ça passe sur Arte en ce moment, mais c'est pas tout récent. Ça doit dater de, je sais pas, entre 2012 et 2016, je sais pas, mais c'est vraiment bien. Voilà. Mais Roku. D'accord. Je suis étonné qu'on n'ait pas encore parlé de Space Cowboys. Je trouve ça un peu triste. Non, mais est-ce qu'on peut le laisser si tu veux. Je me doutais un peu qu'il allait avoir du Clint. Si tu veux. C'est un peu le Anaconda de Stéphane Mosaïque, peut-être dans le Clint. J'ai pas pu m'empêcher ce documentaire de penser quand même à Space Cowboys. Ce film sur des vieillards dans l'espace, qui est quand même un peu connu. Mais je vous recommande, si vous l'avez pas déjà vu, de le voir quand même, parce qu'il est, il est quand même. Très chouette. C'est vrai que c'est chouette. Et spécifiquement sur Apollo 11, la NASA, ils ont fait un site pour les 50 ans de la mission Apollo 11, un site qui permet de revivre en fait seconde par seconde, enfin tout avec des documents vidéo, audio et tout ça. Donc tu peux tout vivre en temps réel. Après tu peux bien sûr accélérer. Donc moi, sur des moments d'ennui au taf, ça m'est arrivé. C'est un petit peu de temps et c'est trop bien. Mais d'ailleurs, la NASA, on peut. Excuse-moi, mais il faut aller sur le site de la NASA parce qu'ils mettent régulièrement des photos de Mars, notamment en super haute qualité, des fois en 360. Voilà, faut aller le voir le site. Mais ouais, ce documentaire en ligne, c'est juste trop bien. Bon, après, c'est vrai que du coup, le film qu'on a vu, ça condense un peu tout ça et c'est quand même pas plus mal parce que sinon, il y en a pour 8 jours. mais bon voilà, c'est quand même intéressant à voir. Et comme tu parlais de faux documentaires, ça n'a rien à voir avec l'espace, mais moi quand on parle de faux documentaires, de docu-fiction, je peux pas m'empêcher de penser à Spinal Tap. Bien sûr. Pour rester sur le documentaire, j'ai été voir le documentaire sur Maradona qui était au cinéma il y a quelques semaines encore. C'est bien ça. Et c'est super bien, ouais. Super bien. Même pas besoin d'aimer le foot parce que ça parle pas que de foot, même si les matchs de foot sont hyper bien retranscrits, c'est génial, ça permet d'avoir une autre lumière sur le personnage et c'est hyper intéressant. Bon, après moi je suis très intéressé par le football. Ouais, moi aussi d'ailleurs. Peut-être un peu biaisé, mais c'est un super super documentaire, mais c'est celui qui a fait le réalisateur, celui qui a fait le documentaire sur Senna et sur. Ah oui d'accord, et sur Amy Winehouse. Ok oui. Oui donc on est sur du bon. Il n'est pas à son coup d'essai, mais celui sur Maradona, en tout cas, j'ai pas vu les autres, mais celui sur Maradona, c'est un franc succès. Donc on va vous dire au revoir là-dessus. Voilà. On va pas vous promettre un prochain film parce que la dernière fois on a promis d'aller voir Dora et on n'est jamais allé voir Dora. C'est vrai. On s'est complètement débrouillé. C'est pas grave, on le regardera. On regardera en import envoyé par le cousin américain. Non, mais encore une fois, il est pas. Vous pouvez pas voir Apollo 11 là au cinéma parce qu'il était diffusé jusqu'au 5 septembre, je crois. Il a été diffusé 5 jours en France. Je répète, c'est un scandale. Mais vous pouvez le trouver. Si vous avez un oncle aux États-Unis ou un ami qui a un oncle aux États-Unis, vous pouvez demander à avoir une version. Puis ça sortira probablement en Blu-ray, DVD. Enfin, si vous avez l'occasion de le voir, essayez de le voir dans des bonnes conditions. Quoi. Si votre oncle américain peut vous l'envoyer en 1080p, c'est quand même. C'est quand même un bon, il y aura sûrement que des sous-titres anglais pour l'instant. Peu importe les sous-titres. Oui, parce que ça n'a pas trop d'importance en vrai. Allez-y, foncez. Et à la prochaine. A plus. À plus. Salut. You gotta keep shooting, man. Okay, well, you can put it on your shoulder. Don't be shy. Just come with me, Buzz. You really like it, don't you? You're the one who said you walked on the moon when you didn't.
calling the kettle black, if I ever thought of it. Saying Will I misrepresented myself. Get away from me. You're a coward and a liar and a thief. And a thief. And a thief. And a thief.